Aujourd'hui, je vais attaquer une série de tests de logiciels de stabilisation de vidéo. Donc pour cela, je vais utiliser un certain nombre de vidéos, ce que je vais vous montrer. Voilà, j'ai trois vidéos qui ont été réalisées toutes les trois en marchant. La première, c'est sur le port de Saint-Tropez. Vous voyez, je marche et puis ça bouge. Voilà, petite vidéo un petit clip d'une dizaine de secondes. La deuxième, c'est au Mont Saint-Michel. Pareil, en bougeant, en marchant, pardon, ça bouge. Voilà. Et la troisième et la dernière. Alors là, celle-là, c'est la pire de toutes. Parce que là, je marchais également. Mais alors là, vraiment, ça bouge énormément. Donc, c'est une vidéo que j'ai dans mon montage. Je l'ai supprimé, mais ce petit clip, je l'ai gardé justement pour ces tests. Voilà, j'espère que vous n'attraperez pas mal au cœur. Donc, la vidéo que j'utiliserai pour vous expliquer le logiciel, c'est celle-ci, là, celle du port Saint-Tropez. Mais je ferai. En off, je ferai aussi les stabilisations sur les trois pour qu'on voit le résultat. Bien, pour effectuer tous ces tests, je vais utiliser différents logiciels. Le premier sera Virtual Dub avec le plugin D-Shaker. Le deuxième, ce sera le stabilisateur qui est inclus dans Vegas Pro 14. Dans les versions antérieures de Vegas, c'est le même stabilisateur. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais utiliser Mercalli 2 avec le logiciel de montage Magix Vidéo Deluxe. Pour moi, c'est 2016. Voilà, Mercalli 2 a été compris dans le pack que j'ai acheté avec Vidéo Deluxe. Voilà. Mercalli 4, je vais utiliser également Mercalli 4 avec Vegas Pro 14. Pareil, il était inclus dans le pack que j'ai acheté. Ensuite, je vais utiliser le logiciel Prodrenaline V2 de Prodad. Celui-là, juste pour l'instant, je n'ai que la version d'essai. Ensuite, peut-être un ou deux autres logiciels. Ça, pour l'instant, j'ai des idées, mais on verra au fur et à mesure. Et ensuite, une vidéo pour faire le bilan de tous ces tests. Donc, en tout, il y aura au minimum 6 vidéos, 5 tests plus le bilan, et peut-être une ou deux vidéos de plus pour tester d'autres logiciels. Voilà, j'espère que ce programme de test vous intéresse et que vous serez nombreux à le suivre. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous donne rendez-vous pour le premier test qui sera Virtual Dub avec le plugin D-Shaker qui va sortir très très bientôt sur ma chaîne. Voilà, allez, à bientôt, ciao ciao!